les amis, c'est MM Simulator, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Jalopy. Donc comme je vous ai parlé dans la vidéo découverte, que j'allais faire une espèce de let's play, on va dire, sur Jalopy. Là je suis à Dublin actuellement. Bon, c'est le temps de chargement, je vous explique un peu le topo. Donc on est à Dublin, j'ai toutes les améliorations possibles et inimaginables. Ben, toutes les améliorations. Je crois, je vais vérifier ça. Donc on a tout ce qu'il y a là. Donc je vais voir ce que j'ai dans le coffre. Ok, deux jerrycans. J'en ai une qui est vide. J'ai une roue de secours. Ok. Donc on va partir juste avec ça. Et le but de cette mission sera d'aller jusqu'à Istanbul, donc en Turquie. Donc j'ai le truc de réparation tier 3, hein. Donc c'est vrai que je peux réparer tout à 100%, pas de problème, à part les roues, donc je vais devoir les acheter. Et le principe, en plus de revenir à Dublin avec au moins 1000 balles, sera de revenir à Dublin avec 1000 balles et un moteur entièrement mis à neuf à fond et tout maximisé à part la batterie, parce que la batterie c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Est-ce que je prends le papy? Allez, on va prendre l'oncle au moins pour la première fois. Je pense, parce que quand même je le prends pas souvent. Bonjour, oui. Allez. Monte dans la voiture, je t'emmène. Donc hop, je vous ai déjà montré une bonne partie de la voiture. Hop. Alors, où que c'est qu'on va aller? Quel chemin on va prendre? Et je vais essayer de voir pour faire un peu de drift, on va dire, sur la route. C'est un peu risqué celui-là. Mais j'ai un jerrycan. Donc on va prendre le 420 km. Là, on dirait que parfois j'ai des lags quand je prends le journal, en fait. Mais je comprends pourquoi. Parce qu'il faut quand même qu'il génère le chemin, le trajet. Hop, donc je joue à la manette. Par contre, pour tout ce qui est route, en fait, tout ce qui est voiture, je prends la manette. Et je fais le voyage commence. Ok. Donc, papy, tu te tais. Pars en direction de Dresde. Oui. Ok, j'ai compris. On a quand même pris un long chemin, parce que 420 km c'est un peu long. Non, ça devrait être assez rapide quand même. Bon, je sais pas si vous avez entendu le Discord derrière. C'est vrai qu'on se traîne un petit peu. Hein. Parce que j'avais quand même un moteur tier 3 dans la dernière vidéo. Donc je m'en suis séparé. Putain, on entend les turbines qui tournent, c'est cool. Par contre, les commandes pour la manette sont assez spéciales. Je sais pas si vous voyez, en gros je joue pour la voiture, en gros j'utilise juste le joystick gauche de ma voiture, de ma manette, en fait. Il n'y a rien d'autre. Donc c'est des commandes bizarres, assez sympathiques, mais assez bizarres quand même. Oh, ah non, c'est juste des fleurs. Donc c'est vrai que j'ai pris le chemin le plus long. J'aurais peut-être pas forcément dû le faire, parce que voilà. Mais je sais que quand j'ai fait le chemin retour, parce qu'en gros j'ai fait un aller-retour Dublin-Istanbul, Istanbul-Dublin déjà. Et sur ce chemin de Istanbul-Dublin à Dublin-Istanbul, j'ai eu sur le chemin de Dresde à Dublin, je n'ai... En gros, de Dublin à Dresde, je n'ai eu... de Dresde à Dublin plutôt, je n'ai eu aucun loot. Alors, pas une seule caisse, ou que des caisses que je ne pouvais pas prendre parce qu'elles étaient de l'autre côté. Donc il me dit que c'est bien d'aller sur la route. Bah oui, c'est bien d'aller sur la route, de retourner sur la route. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas voyagé au-delà de Berlin-Est, ouais. Ça fait longtemps que je n'ai pas quitté l'Allemagne. Techniquement, on n'a toujours pas quitté l'Allemagne.
Il est toujours en Allemagne, hein. Bon, il y a quelques à-coups parce que vraiment c'est un peu sensible. En sachant que je suis une épave, bah, on commence bien. Mais je vais quand même acheter toutes les améliorations disponibles pour la voiture. Donc comme vous, je sais pas si vous avez vu dans le menu, mais j'ai pas, en fait j'ai un peu menti, on va dire. Oh, une bouteille de vin. J'ai un peu menti, en fait je suis pas à 100 pile poil. Mais bon, c'est pas très très grave, hein. Je pense que vous m'en voulez pas pour ça. Donc la roue de secours, je sais même pas comment elle est. Ah, elle est à 2, bon tant pis. Tant pis, tant pis. En fait c'est vraiment que je voulais pas trop me casser la tête et essayer de faire un truc plutôt bien. Hein, c'est quoi cette escroquerie? Ok. On a une autre roue là, ok. J'espère que l'oncle va pas me faire chier parce que j'ai une... Non, en fait c'est une roue à 1, vas-y laisse tomber. Roue à 1, j'en veux pas. T'as combien toi? 2, ouais. Je préférais 3, mais bon, je vais te laisser là parce que si l'oncle il apprend que j'ai pris une roue à 2, putain, trop de points en fait, il va me tuer. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok, donc je consomme moins et la batterie, on va la prendre en stock quand même. Hop, et donc je vais couper. Ah. Donc on va mettre, parce qu'en gros ça va nous avantager quand même un petit peu d'avoir ce carburateur, parce que on va consommer moins, moins en fait. On va faire une moins grosse consommation. Merde. Voilà, nickel. Ouais, je sais pas si ça joue beaucoup, mais on verra bien. Voilà. Donc là, je pense qu'on est bon. Bon, on n'a pas eu grand-chose sur cette voiture, mais... Merde. Ok, bon. Donc voilà, donc là, on va aller jusqu'à Dresde. Après, on va faire les... Bien, je vais faire l'épisode numéro 2. Et après, on sera déjà pas mal. Tac tac, allez on reprend la manette. Donc bien sûr quand je suis les pieds je le fais au clavier souris, hein. Je vais pas m'emmerder avec la manette. Déjà, je suis même pas sûr qu'on puisse y jouer à la manette en dehors de la voiture. Mais bon, après je dis pas que c'est pas possible parce que je sais pas. Donc voilà. Donc j'espère éviter d'oublier des caisses ou des cartons ou des dieux ne sais quoi d'autre. Bon, normalement je pense que d'ici 2-3 épisodes on devrait quand même aller un petit peu plus vite que ce qu'on voit là. Mais pour l'instant c'est vraiment le tout premier épisode, l'épisode où on a le moteur tout pourri. On a quand même une bouteille de pinard, hein, à 30 balles. T'es un jeune conducteur, alors je vais t'apprendre comment conduire. Ok, si tu veux. Les voyageurs ne peuvent pas se considérer en tant que tels lorsqu'ils sont en mouvement. Pour y arriver, il faut apprendre à vivre des cadeaux que la route nous fait. C'est comme ça que tu nous apprends à conduire, toi? Bah putain. Moi, je sais pas, l'auto-école, je me rappelle pas qu'il m'ait fait ça comme ça. Mais bon, après, si tu veux... Bon, hein, on respecte pas forcément le code de la route. Mais bon, on va dire que on s'en fout. Tac tac. Ok. Est-ce que vous pensez qu'à Dresde on pourra prendre un nouveau moteur? Je ne pense pas. Sincèrement, je pense pas qu'à Dresde on puisse prendre un nouveau moteur. Bon, est-ce qu'on a eu de la chance par contre? Parce que franchement, je sais pas combien de kilomètres on est de Dresde là maintenant. Mais on a juste une bouteille de pinard quand même. Ces cadeaux se présentent souvent bien des formes. Sous bien des formes plutôt. Une voiture abandonnée peut nous fournir de précieux pneus de rechange.
Peut-être qu'une caisse sur le bord de la route nous permettra de l'échanger contre du carburant. Quel que soit ce dont on a besoin, la route nous donnera. Il faut seulement une caisse. Faut seulement y croire. Deux caisses. Hop, voilà. Allez, hop, on va aller ramasser les deux caisses là. Moi j'évite d'éteindre la voiture parce que à l'arrêt normalement ça doit pas consommer tant que ça. Ben, si c'est censé être réaliste, hein, putain j'en ai marre. En gros on consomme pas tant que ça en fait. Tant que la voiture est à l'arrêt comme ça. On consomme surtout quand on est à fond sur la pédale ou des trucs du genre. Oh mon dieu. Oh pardon. Pardon. Je pense qu'on va pouvoir peut-être pas acheter. Il y a plus de place là-dedans ou quoi? Ah si. Là peut-être par contre il y a plus de place là. Là on a déjà un truc comme 100 et des bananes 3, 4, 4, 6, 150. Ouais, pas loin de 200 et des bananes marque plutôt. Heureusement qu'on a une... Bon, ça fume, mais au final, je m'en fous. On va attendre là. Ah, quand même, on est déjà à la moitié du réservoir. Au final, c'est vrai que je m'empête un peu parce que, comme vous le savez, je peux réparer. Tu as remarqué ce changement de paysage? Pas trop. Nous entrons dans ce qu'on appelle le triangle noir. Ah, moi je connaissais le triangle des Bermudes. Mais le triangle noir, non? Ok, donc on va arriver peut-être pas à Dresde tout de suite. Ah merde, il y a quelqu'un derrière nous. Oh, tu vas te calmer. Alors, on est à combien de kilomètres de Dresde? Ah, il n'y a pas les kilomètres de Dresde. Mais on va aller à la... Parce que ça, en gros, c'est la sortie pour la... Pour la station service, voilà. Donc c'est vrai que je parle pas beaucoup, je me concentre un peu. Parce que... Parce que c'est vrai que c'est un peu spécial. J'essaye de me concentrer vraiment pour comprendre. Mais normalement d'abord est-ce que j'ai vu non, ben, entendu plutôt parce que dans ce cas là c'est entendre et pas voir. Donc c'est pas le même sens. Normalement vous avez plus de problèmes de son. En gros mon micro marche mieux. Mais c'est pas une histoire de micro, c'était plutôt une histoire de pilote. Parce qu'en gros, j'avais pas les pilotes d'installer pour le micro. En fait, j'avais pas installé les pilotes de ma carte son après avoir initialisé mon ordinateur, etc., etc. Bon, vous comprenez. Donc voilà. Hop. Là, par contre, j'éteins parce qu'on va rester un certain temps. Je vais réparer aussi la voiture. Donc on arrive déjà à la nuit. Ce jeu se passe quasiment tout le temps de nuit. C'est un peu dommage, mais bon. On va alléger un peu la voiture, hop. On va aussi remplir la jerrycan, mais je pense pas qu'on va pouvoir se taper une nouvelle... Quoique. Ah, il va peut-être falloir acheter une nouvelle... je sais qu'on peut prendre les petites caisses là à l'entrée pour pouvoir mettre
plus de produits en fait. Parce que non, on veut prendre que 3 trucs dans les mains, mais avec ces caisses là on peut en prendre entre 6 et 12 je crois. 12. Ouais, 12. Donc j'espère pouvoir tout lui vendre parce que normalement on peut comment dire, en avoir de trop ou de pas assez. Elle peut ne pas avoir assez d'argent plutôt. Putain mais oh, faut que j'arrête. J'arrête de boire moi. C'est pas bon. Non, je dis quand même, je bois pas. Donc ou peu, on va dire. Oh ça va, on peut prendre 300. Je vais te prendre une bouteille de Will. En gros moi ce que je fais de... en gros dans l'aller-retour que j'ai fait à Istanbul, je n'ai pas changé, je n'ai pas pris de pneus spéciaux on va dire, pas de pneus de pneus je veux dire par là, pas de pneus tout terrain ni quoi que ce soit d'autre comme ça. Et attends, je vais reposer ça, mais je vais aller chercher le jerrycan que j'ai dans le coffre. Il vide bien sûr. L'autre il est plein, ouais. Ok. Voilà, comme ça on a aussi un jerrycan de plein. Je vais prendre tac. Merde, reviens. Comme ça, ça prend tout d'un côté. Donc, on va remettre. Ouais, donc j'ai plus d'huile. Je vais aller lui revendre le pot vide. Ça me fait toujours un marque de plus. Donc, tac, tac, parce que c'est vrai que le ce jeu, c'est un peu un jeu de blocks, on va dire. De Tetris. Donc on vient de se faire quand même 250 000 balles. Donc techniquement on pourrait prendre le nouveau moteur. On va se faire les réparations aussi qu'on doit faire. Donc merde, c'est pas ce que je voulais. Récupérer ce truc, c'est pas évident. Hop. Donc on va tac, donc on peut tout réparer, donc pas de problème. Hop, tout est bon. Hop, donc ça c'est des trucs qui reviennent tout seuls à leur place. Hop, voilà, on pouvait pas rentrer mais c'est pas grave. Hop. Là par contre on va allumer là. Ah merde, faut... ah non. Voilà, hop. Hop, allez, on est reparti. On va essayer de se faire ça vite fait. Je sais plus ce qu'on avait fait la dernière fois. Mais si on avait fait parce qu'en gros la dernière fois on était allé jusqu'à l'Éteignier si je me trompe pas, ou jusqu'à Dresde, je sais plus quelle route on a fait exactement, si c'était Dresde ou l'Éteignier. Bon, donc voilà, ça grimpe. Hop, le moteur est un peu fébrile quand même. Là on doit être à peu près à mi-chemin. J'espère qu'on va quand même finir. Faire une vidéo pas trop longue parce qu'on est déjà à 18 minutes de vidéo, même un peu plus, on est déjà à une vingtaine de minutes. Hop, là on va passer le pont où on est passé tout à l'heure. Reste une Berlin. Hop.
J'aimerais bien trouver encore 4 cartons de vin, mais bon, après... Ça, on n'a pas forcément le choix. C'est vrai que le jeu est quand même assez clément sur les débuts, et puis après, il devient un peu plus dur. Je crois que je l'ai pris à l'envers, le machin, non? Non? Oui, je l'ai pris à l'envers. Bon, on va pas, on va rien dire. Ouais, vous avez rien vu, on n'a rien vu, tout le monde n'a rien vu, hein, c'est pas grave. Par contre, je suis en train de réfléchir à un truc. Je pense qu'aussi on va ajouter dans les améliorations à mettre, parce qu'il y a encore quelques améliorations à mettre. Dans les objectifs, le pare-buffle et les lumières. Et en plus, et je crois que les lumières sont à 3 étapes, mais je suis pas sûr. Avec peut-être le comment ça s'appelle? Les pare-boue aussi. Bon, pas que ça serve à grand chose, mais bon. On est arrivé? T'es arrivé à Dresde? Non, pas encore. C'est perturbant à voir. De quoi? Toute cette pollution due à l'industrialisation. Après, c'est la vie. Hein. Ce n'est pas comme ça... Ça n'était pas comme ça la première fois que je suis venu ici. Ouais, mais les temps changent. Et en tout cas, la voiture, elle souffre, parce que regardez-moi ça, elle monte même pas la côte, la pauvre. Allez, gamme cocotte, allez, hop. Dada. Mais c'est pour ça en fait que je voulais prendre le rack tier 3. Parce que au moins n'oublie pas, quand on sera à Dresde, il faudra utiliser notre hâte à ton avantage. Ça veut dire. Vend des biens échangeables au marché et utilise cet argent pour acheter des kits de réparation et du carburant. Bon, les kits de réparation, j'en prends plus parce que j'ai le rack niveau 3. Si tu n'as pas assez d'argent, on pourra même visiter le concessionnaire. Ah non, si tu as assez d'argent, but. Si on a assez d'argent, on pourra visiter le concessionnaire Leica pour améliorer la voiture. Donc voilà, c'est assez intéressant quand même comme truc. Hop, 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 hop. Il y a un carton. Ça m'étonnerait que ce soit une bouteille de pinard, mais on sait jamais. Médicaments. Mais c'est pas mal ça. Bon, je pense qu'on va se prendre le moteur ou quelque chose du genre, ou peut-être autre chose. J'ai une autre idée, on verra. Une autre idée qui me vient en tête comme ça. Prendre quand même le volant. Donc on a quand même encore... ben je sais pas si on a du chemin à faire, mais... non, je crois qu'on arrive à Dresde. Ouais, on est arrivé, je crois. Ça fait un peu bizarre parce que j'ai ni aucun bras. On... Donc voilà, papy, il répète ce que je dis. Donc on aperçoit Dresde au loin. Va au motel. On va se reposer arrivant en RFTS demain.
Ouais, bah on va essayer de faire ça. Hein. On n'a pas grand-chose à vendre à part les deux petites boîtes de médicaments. Alors. Je pense que on va aller se prendre le petit moteur flambant neuf. Et qu'est-ce qu'il nous reste comme essence d'ailleurs? Ah, on a la moitié. Donc on va aller se remettre... Non, on va pas se remettre de l'essence maintenant. On s'en remettra plus tard. Je sais plus combien c'est, je crois que c'est 360 le dernier moteur. Je crois. Je sais plus. C'est vrai que j'aurais pu prendre un portefeuille. Désolé. Je vais... Oh, mais ça va, ça va. On est plutôt pas mal, hein. On est bien dans le... C'est pas bon. 396. Donc, allez voir chez Laika, voir si on peut prendre un truc. On va essayer de racketter des gens à l'hôtel. Et après, on va se laisser là pour cet épisode. Qui durera une trentaine de minutes à peu près. Dès que c'est long de faire des vidéos quand même, faut pas abuser. Aïe, je crois que j'ai pris le... Qu'est-ce que j'ai pris en fait? Ah merde, ah bah oui. Je comprends mieux maintenant pourquoi. Pourquoi... T'aurais pu fermer la porte, hein, tonton. Ah, bah ça tombe bien, on arrive juste devant Laika. Je comprends mieux maintenant pourquoi j'avais des problèmes tout à l'heure. Donc, on va feuilleter un peu le... Mais, ah, ouch, comment ça, ouch? J'ai rien fait du tout. Non, on va juste laisser comme ça, parce que je vais pas rester des heures non plus. Et je sais pas ce que je vais prendre encore, donc... Donc là, je n'ai pas forcément besoin d'avoir mon portefeuille comparé à d'autres endroits. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, des moteurs. Ah, shit. Ah, il y a ça aussi. Ça, j'avais pas pensé qu'il y avait ça. Mais non, de toute façon, on va le prendre, ça fait partie des objectifs que je me fixe. Donc, entière 4. Ah non, c'est 440. Réservoir de carburant, 330. Allez, on va se prendre le petit réservoir de carburant max. Ouais, on va se prendre le petit réservoir de carburant. Hop, voilà. Et on ira au magasin et on le mettra. Je vais pas le mettre tout de suite. Je vais peut-être pas le remplir tout de suite. Surtout. On va aller à l'hôtel parce que je voudrais déjà vider celui-là et après on remplira. En gros, comment vous dire, je vais remplir l'autre mais je vais quand même garder celui-là histoire de le vider. Hop, on va aller à l'hôtel, essayer de piquer de l'argent et on va aller je sais pas quoi faire d'autre et après on va se quitter je pense. Et moi je ferai la vidéo, la suite de la vidéo tout de suite. Là on a... Là c'est SFR. Tac tac. En main, hop. On va quand même carrément couper. Tac. Donc voilà, hop. Je vais quand même éteindre la lumière, ça sera mieux. Voilà. Donc on va aller essayer de racketter les clients de l'hôtel. Chut.
pas le dire à la bonne femme. Et donc on va aller voir ailleurs. Il y a personne, donc on sera certainement dans la 1B ou dans une autre chambre au-dessus, bien sûr. Ah, voilà. Parce que là, on est un peu ledge, on va dire. Ah, cool. En termes d'argent. Donc, on a soit la 2C, soit la 1B. Laquelle des deux sera la nôtre? Question, la réponse au prochain épisode. Non, je déconne. Je sais pas ce que c'est. Bonjour. Oui, ben oui. Hop, donc ce qui fait 2C. Voilà, on sera au 2C. Hop, j'ai jeté mon portefeuille. Arrivé avant toi. Donc... Vite. Bon, on va attendre quelques secondes. On va essayer d'attendre. Non, il doit se coucher. Et d'après ce que j'ai compris, E-Queen, on a essayé de mettre du dégrippant. Allez, fais dodo. Ouais. Ah, ouais. Ouais. Voilà. Mais par contre, quand vous faites le retour, ça ne marche pas, hein, je vous informe. Ah, c'est ça les timbres. D'une acquisition d'un véhicule motorisé Leica 601, la distribution d'un transport de biens personnels a renvoyé vers le pays d'origine, date du 86. Nous pouvons dorénavant vous informer que nous ne sommes pas en mesure d'approuver ou de soutenir cette demande au motif qu'il est formellement interdit de transporter des biens privés dans des véhicules gouvernementaux. En particulier vers le pays en dehors du contrôle de l'Union Européenne. Outre, nous sommes dans l'obligation de vous rappeler que toute communication avec les pays extérieurs de l'Union Européenne font objet d'une surveillance rigoureuse. Et que nous demandons à tous nos camarades de faire preuve d'une vigilance constante en ce qui concerne les informations sensibles qu'ils pourraient avoir en possession, en leur possession. Mythe machin chose, ok. Ça, ah ok. Ok, j'ai pas compris. Donc, nous, on va se quitter là. Moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Moi, je vais faire la suite tout de suite. Et on se retrouve quand même dans la prochaine vidéo. Et j'espère aussi, parce que je vous en ai pas parlé depuis le début, je sais pas pourquoi, que la nouvelle intro que j'ai faite vous plaît. Je pense que je l'aurais mis pour l'intro de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouvera dans la prochaine vidéo, dans l'épisode numéro 2. Ou 3, ça dépend si on considère le premier comme un épisode ou pas. Donc moi je vous dis à la prochaine, c'était MM Simulator, ciao ciao.